Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une petite astuce pour faire pivoter une image. Vous voyez ici, cette image, elle est en mode portrait, elle est debout. Et on est gêné ici parce que, vous voyez, il reste beaucoup de blanc. Donc nous allons prendre la même image et nous allons la faire pivoter de telle façon à ce qu'elle occupe le maximum de la surface du rectangle. Donc je sélectionne mon image. Ici, j'ai le petit logo transformation sur lequel je vais pouvoir cliquer. Sinon, je reclique une deuxième fois sur mon image et vous voyez, des poignées oranges apparaissent. Et en prenant la poignée qui est dans le coin, vous voyez, je fais pivoter mon image de telle façon à ce qu'elle pivote. Et vous voyez, je clique à côté et ça y est, vous voyez, mon image a pivoté. Et en la faisant pivoter de quelques degrés, eh bien, notre image occupe beaucoup plus d'espace dans le cadre. Vous voyez, si on compare les deux, on a bien nos 7 groseilles ici qui occupent tout l'espace, alors qu'ici, vous voyez, on a beaucoup de blanc, ce qui est vraiment dommage. À bientôt pour un autre tuto.